Comme chaque soir à la tombée de la nuit, Yann Rudan et sa compagne rentrent leurs brebis dans cet enclos électrifié. Une mesure de sécurité pour ces éleveurs de la Drôme dans le sud-est de la France, afin de protéger leurs troupeaux contre les loups, quelques semaines après un épisode traumatisant. Un éleveur, un collègue nous a appelé pour nous dire qu'il y avait une brebis égorgée vers le village. Et en fait, c'était notre première attaque de loup, durant laquelle on a perdu 15 brebis, soit 10% de notre troupeau. À quelques kilomètres, ces éleveurs ont perdu 8 brebis en octobre. Véronique Chauvet, également maire de son village, craint que ces attaques n'en poussent certains à jeter l'éponge. Voilà les photos qui ont été prises, une bête qui a été mangée quasiment entièrement, sachant qu'il y avait d'autres bêtes qui étaient juste tuées ou blessées. Si ça continue à évoluer dans ce sens-là, je pense que d'ici moins de 10 ans, même largement moins de 10 ans, l'élevage va quasiment disparaître. En France, le loup est une espèce protégée. Disparu dans les années 1930, il a fait son retour dans les années 90. Les statistiques officielles en dénombrent environ 360, en augmentation de 20% chaque année. Des chiffres sous-estimés selon les éleveurs, qui alimentent la discorde entre les pros et les anti-loups. C'est un prédateur qui peut faire des dégâts dans les troupeaux domestiques. Et d'un autre côté, il a des protecteurs qui sont passionnés également parce que c'est un symbole fort de la protection de l'environnement. Pour comprendre la progression de l'animal et ses habitudes, le loup est suivi de près par les pouvoirs publics. Ce matin-là, dans le parc régional du Verdon, ce garde-chasse recherche des excréments pour savoir s'il est passé dans la zone. Bon, là, il y a très peu de doutes. L'empreinte ADN sera comparée à celle déjà présente dans la base pour savoir si ce loup n'a pas déjà été repéré ailleurs et ainsi suivre son parcours. Autre méthode pour observer cet animal très discret, des caméras à déclenchement automatique. Celle-ci est en place depuis plus d'un mois et va livrer une bonne surprise. Une meute de 6 loups est passée il y a quelques jours. Ah, voilà un loup. C'est assez rare parce que d'habitude, le groupe ne se déplace pas en entier. Des passages comme ça, avec l'effectif complet de la meute, on l'a, on va dire, deux fois par an. Un plan loup est en cours de préparation afin d'encadrer la présence du carnivore en France jusqu'en 2023. Il définira notamment le nombre d'abattages autorisés chaque année. Insatisfaits, les éleveurs ont claqué la porte des négociations. Un désaccord de plus dans ce dossier brûlant.